fire, only true desire. Swear I'm not a liar, you should dance with me. You should get to know me, kick it with the homies. Let go of your worries, you should dance with me. Girl, you are my fire, only true desire. Swear I'm not a liar, you should dance with me. Et c'est genre vraiment comme des dramas, et du coup j'ai vu ça, j'étais obligée, j'en prends une. Voilà, donc gros big up en martyr. Par contre j'ai pas du tout gros dans. Ah bah j'ai trouvé. Swear I'm not a liar, you should dance with me. You should get to know me, kick it with the homies. Let go of your worries, you should dance with me. I'm gonna leave to go out this late at night. Ça fait piquer. Faut pas mélanger dans ce cas-là. Merci, mélange. Non, sinon je vais cramer. Non. 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 Yes! Excellent! Super! Super! On est arrivé à Busan, donc on a pris les transports en commun hier soir. Et bah là on est arrivé, c'est juste trop beau. Et donc en fait on reste deux jours ici. Et même la coloc où on est, enfin c'est pas une coloc, c'est une guest house. Et en fait en soi elle est vraiment, elle est canon quoi, c'est cool. Et puis bah moi perso j'ai bien dormi. Puis je suis avec deux filles dans la chambre, mais c'est vrai qu'on s'est pas encore parlé. Donc ma journée est sympa. Donc on verra bien, et bah là, promenade à Busan en faisant tout ce qu'il y a à faire, enfin, on va essayer de faire un maximum de choses. Et donc là, on est au bord du port. Donc voilà, salut! Dans le marché du poisson, le marché du poisson, et en gros on achetait des petits poissons qui se mangent crus, mais en fait ils sont séchés, donc bah faut qu'on va tester hein. Test devant la caméra gros. Mmh. C'est ça. Donc voilà, et Foucault, ton ressenti? C'est salé. Non mais moi je mange tout. Non, c'est trop bon. C'est bon. Mmh. C'est bon, mais c'est salé apparemment, donc on va voir. Je vais tester aussi en même temps, on va tester. Allez, let's go. Voilà, salé. Ouais, c'est bon. C'est bon. En fait, on est à Haeundae Beach, et donc c'est la plage de Busan la plus connue. Et donc, bah voilà, avec Pico, hein, on vient de faire 40 minutes à peu près de transport en commun, donc c'était un peu fatigant, lui il a dormi. Mais ça a l'air super cool. Oh et... non, il y a des sculptures et en sable. Voilà. Et oh putain, ça va être la folie, je le sens.
toutes des petites cabines comme ça. C'est des voyants, pas des médiums. Et en gros, genre, il y a énormément de gens qui font lire leur avenir et tout ça, et l'avenir de leurs proches surtout. On a vu un gars qui allait avec sa copine et ses deux parents pour aller voir la voyante. Je sais pas ce qui va se passer. Ils veulent voir si le couple il va tenir. Alors, nous sommes actuellement en reportage dans l'aéroport de Busan. Nous allons nous diriger vers Jeju. On se rejoint à la suite. Le jus de mandarine de Jeju. Avec la petite tête, genre ça c'est en fait les petites figurines qui représentent Jeju. Il y en a partout. Tadam. Et donc, comment est-ce mon cher? Plutôt bon. Mandarine. Mandarine, bon. Ouais, mais non, c'est super bon. Alors, bonjour mes petites bichettes et mes petits bichons. On s'est réveillé ce matin à l'hôtel Golden Park Hotel qui se trouve à Jeju, dans le nord de Jeju. Donc en fait Jeju ça fait ça et nous on est dans le nord. Et là on est à Bus Express Terminal et ensuite on va aller donc dans le sud à Sogipo. Et le ticket c'est pour prendre le bus le 282 qui va nous emmener directement à Sogipo. Donc on s'attendait à un prix de malade et tout et au final on a payé 2400 won pour nous deux. Donc ce qui fait à peu près... Un euro chacun en fait, donc c'est l'équivalent, donc c'est pas cher du tout. Et voilà. C'est dans Friends ça. Alors, nous pensons que ce sont des mandarinés, parce que la spécialité à Jeju, ce sont les jus de mandarine. Et c'est très très bon, et c'est très très sucré. Et c'est cool! Et que les mandarines c'est bon. Et que les mandarines c'est bon. Surtout avec des champignons. Surtout avec des champignons. Alors, comment ça fonctionne tout ça? Il pluie. Salut à tous, c'est Anna, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Non, je déconne. Là, on est à Jeju, il pleut. Donc en fait, on était dans le nord ce matin. On a pris le bus, donc ça a duré à peu près 1h30 pour aller jusque dans le sud de Jeju. On a été manger rapidement, puis on est allé à l'hôtel. L'hôtel, il est trop bien. Il est exactement 17h30 à peu près. Et on a pris le bus pour faire les chutes de Cheonji-yeong. Et du coup, là, on va aller voir les chutes d'eau. Et apparemment, c'est un bon point pour prendre des photos. Et elles sont vraiment sympas à visiter. Comme il pleut, on va pas profiter d'une belle vue. Mais on fait avec. Et on se retrouve pour les chutes. Voilà! Où le faisant? Anna, j'ai trouvé à manger! Merde, il s'enfuit! Alors aujourd'hui, donc, il est midi 15. Ouais, mardi 29 mai. On s'est réveillé donc dans le super hôtel. Qu'on avait réservé et franchement c'était trop bien, moi j'ai passé une trop bonne nuit. En plus dans l'hôtel il y avait tout compris, il y avait même les peignoirs et tout, enfin c'était trop cool. Leur shampoing il sent trop bon alors j'ai pris des échantillons. Et donc on va aller à, je sais plus comment il s'appelle la plage, hop. Yeopje Beach. Donc c'est la plage qui est sur les côtes de Jeju. Et donc voilà, donc on vous montrera ça ensuite. Thank you.
dire. Chicken beer. Ou alors devrais-je dire chicken et mec tu. Chicken et mec. En fait, on pense qu'en gros, les plats qu'on a pris, c'était genre un plat pour deux, parce qu'en fait, il y avait beaucoup et nous, on s'attendait pas à ça. Et sauf qu'en fait, on a pris un plat chacun. Donc, il y avait la blinde de poulet, et du coup, bah, on a tout mangé. C'était bon. Et du coup, ça fait une heure, deux heures qu'on est parti, qu'on a quitté la plage. Et puis moi j'ai laissé la moitié de mes affaires sur la plage, donc on sait que les Coréens sont pas des voleurs. Sont pas des voleurs, ils sont honnêtes, donc on va... c'est un peu une expérience. Voilà, j'ai laissé mes affaires tranquillement sur la plage au milieu de tout le monde. Nous on est des habitués de regrouper tout le monde, donc c'est un peu une expérience pour nous. On va voir ce que ça donne. Il est stressé. Là je suis un petit peu stressé quand même. Ça fait vraiment bien deux heures qu'on est parti. Je le ressens qu'il est stressé parce qu'il marche beaucoup plus vite. Non, non, mais bon, il y avait comme ma serviette, ma veste, les coques de GoPro, mes chaussures, tout ça. On va voir. Là, s'il voit un drap bleu, il va être trop content. T'imagines, il n'est plus là. Je te jure, je le vois pas. Il voit. Oh si, elle est là. Oh, elle m'a attendu. Je suis sûre, on aurait pu même laisser un Mac. Il aurait pas pris. Parce que la dernière fois, c'est exactement ce que le gars de... L'hôtel il a fait genre, il laisse son Mac comme ça, il y a des gens qui rentrent, qui sortent, il les connaît même pas. Et au final, il laisse tout comme ça et quand il revient, son Mac est toujours là. Ouais, il y en a un qui est parti en balade avec sa petite amie. Et genre, mais vraiment visible, hein, sur le vélo, il a laissé ses papiers avec sa carte d'identité, ses thunes et tout dedans. Et elle a laissé son sac à main. Et bah genre, une ou deux heures après, ils sont revenus, il y avait toujours tout quoi. C'est bien. Where